Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je vous remercie de votre présence et nous allons donc pouvoir commencer la soirée. On va attendre que la dernière personne s'installe. Par quelques mots de M. Hervé Courtois, qui est vice-président en recherche de l'Université Grenoble-Alpes. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chères étudiantes, chers collègues, le cycle de conférences d'exception de l'Université Grenoble-Alpes est né de la volonté de l'Université de donner accès à des personnalités, à des savoirs de haute qualité et d'éveiller la curiosité des publics, de susciter les échanges et les rencontres. Ce programme a été intégré dans le programme IDEX et son volet rayonnement social et culturel qui soutient de nombreuses initiatives et projets portés par nos personnels, nos composantes, nos services. Notre programmation s'enrichit chaque année et rencontre un succès grandissant auprès des publics, comme vous, qui êtes encore nombreux ce soir à l'Amphiveille. Et aussi toutes les personnes qui suivent nos conférences en direct ou les reçoivent sur les chaînes YouTube. À ce jour, près de 15 000 personnes ont bénéficié de cette programmation depuis 2 ans et ce rayonnement va certainement s'amplifier. Ce soir, cette conférence est un petit peu spéciale, peut-être comme toutes, mais néanmoins, il y a quelques éléments que je voudrais vous signaler. Elle est en fait due à un partenariat culturel. La direction de la culture et de la culture scientifique s'est en effet associée au CDP Performance Lab de l'Université Grenoble-Alpes pour accueillir en résidence la compagnie TF de Jean-François Perret, metteur en scène qui travaille de longue date avec Alain Prochiance, dans des spectacles qui forment une longue et belle suite de réflexions et actes sur la science. Sa résidence à Est, espace scénique transdisciplinaire, notre équipement culturel du campus, a donné lieu à plusieurs rendez-vous. Une masterclass le 6 février, un atelier théâtre et photographie le 10 et 11, une répétition publique le 13, et la représentation de la nouvelle création de Jean-François Perret, petit bréviaire tragique à l'usage des animaux humains du XXIe siècle, hier soir à l'Est. Et cette rencontre, bien sûr, aujourd'hui. Je voudrais donc laisser Sandrine Humbert, qui est directrice de recherche à l'INSERM et anime l'équipe de recherche progéniteur neuro et pathologie cérébrale à l'Institut des neurosciences de Grenoble, le GIN, présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Avant de lui laisser la parole, je tiens à remercier, au nom de notre président de l'Université Grenoble-Alpes, Yacine Lacneche, qui est malheureusement absent aujourd'hui, Alain Prochiance pour sa conférence, ainsi que Jean-François Perret pour l'honneur de sa présence ce soir. Donc, bonsoir à tous. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui, comme on vient de le dire, d'accueillir pour une conférence d'exception un homme d'exception, Alain Prochiance. Bon, ça a été facile. Hein, quand même. Alors, bien évidemment, il va m'être difficile d'être complètement exhaustive, tant le parcours d'Alain est riche, couronné de succès et surtout de façon impressionnante dans toutes les disciplines qui ont été touchées par Alain. Donc, Alain Prochiance est un ancien élève de l'École normale supérieure. Il est docteur en sciences. Après avoir soutenu sa thèse sur la structure des ARN de virus végétaux avec François Chapville, il va s'orienter vers la neurobiologie en s'intéressant à la morphogénèse cérébrale en travaillant avec Jacques Glowinski au Collège de France. Il est recruté en tant que chercheur au CNRS, puis directeur de recherche, et on va dire que, pour faire bref, il dirige depuis ce temps-là une équipe de recherche au Collège de France, à l'École normale supérieure, puis au Collège de France à nouveau. Alors, la découverte majeure d'Alain, qui a bouleversé les dogmes et que nous, enfin, les neurobiologistes, on est relativement familiers avec ces découvertes, est le fait que certains facteurs de transcription peuvent être sécrétés par un neurone, réinternalisé par le neurone voisin pour avoir un effet biologique sur celui-ci. Alors la nouveauté, c'était non seulement le fait qu'on peut avoir des protéines comme ça qui vont passer d'une cellule à l'autre, mais c'était également lié au fait que cette protéine, la nature de ces protéines, qui sont des facteurs de transcription et qui normalement, enfin, selon les dogmes de l'époque, étaient censés rester, en tout cas à l'intérieur de la cellule.
Et Alain et son équipe ont depuis ce temps-là caractérisé ces mécanismes de transfert et leurs effets physiologiques sur la morphogénèse des structures cérébrales de façon générale, bon, sur le guidage axonal, la plasticité neuronale, etc. Et en 2011, il reçoit pour l'ensemble de ses travaux le Grand Prix de l'INSERM. Ce qui est remarquable également, c'est qu'Alain a ensuite eu, plus récemment j'ai envie de dire, l'idée d'utiliser ses propriétés particulières de facteurs de transcription, de rentrer dans des cellules pour proposer des pistes thérapeutiques pour les maladies neurologiques et psychiatriques. Et il est à l'origine de la création d'une start-up BrainEver, dans laquelle il contribue toujours très activement. Alain Prochian, c'est aussi un directeur de département scientifique. Il obtient la direction du département de biologie de l'École normale supérieure. Il est directeur de plusieurs unités de recherche, CNRS, puis CNRS-INSERM, à l'ENS et au Collège de France. Et enfin, il est élu par ses pairs, administrateur du Collège de France, à partir de 2015. Alain Prochian est également, ça fait beaucoup de choses, hein, un homme de transmission, convaincu qu'il faut faire entendre la musique de la science, hein, ce sont ses mots, et il devient titulaire de la chaire processus morphogénétique du Collège de France en 2007. Enfin, il a eu beaucoup de reconnaissance, mais je pense qu'une des plus prestigieuses, ce n'est pas la moindre, il est membre de l'Académie des sciences depuis 2003. Donc Alain est donc un homme de science, d'une science qu'il qualifie lui-même de littéraire. C'est également un homme de lettres, philosophe, amateur d'art et de théâtre. Et dans ce contexte, Alain Prochian est l'auteur de nombreux articles scientifiques et de livres sur le cerveau. Alors il a publié « La biologie dans le boudoir »,« Machine-esprit »,« Les anatomies de la pensée » et le plus récent « Singe toi-même ». Et je ne manquerai bien évidemment pas dans ce contexte d'évoquer sa collaboration avec Jean-François Perret, auteur et metteur en scène. Ensemble, ils ont écrit « Les variations Darwin » et « La génisse et le pythagoricien », ainsi que Alain a contribué à l'écriture d'une pièce « Ex vivo in vitro » créée au Théâtre de la Colline en 2011. Je souhaitais conclure avec des mots d'Alain. Alors, j'aurais pu choisir ce qu'il utilise pour défendre ses engagements dans la recherche française, dans la défense de la recherche française, des savants français ou des savants en exil, mais j'ai choisi autre chose. Donc, Alain dit « Je pense qu'il n'y a pas de pensée sans risque. On est dans un milieu, une époque, où la science cesse d'être un jeu à cause des enjeux économiques, des enjeux de compétition entre les chercheurs, et donc la part du risque diminue parce qu'on n'a pas le droit d'en prendre trop pour ses étudiants, pour ses post-docs, pour sa carrière, pour ses financements. Prendre le risque de se jeter à travers champs, comme disait Claude Bernard justement, c'est de plus en plus difficile, mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Là où agit l'imagination, à la pointe de la pointe, il faut lâcher la rampe, il faut être prêt aussi à se casser la figure parce que ça rate toujours. C'est Bechtien, fail, ever fail, mais fail better. Ça rate toujours, mais il faut que ça rate mieux à la fois d'après. C'est cela la recherche pour moi. Pour moi, c'est aussi la vie. Et nous allons écouter maintenant Alain sur le singe, le savant et le tragique. Merci encore. Merci. Bon, on ne peut pas croire tout ça. Hein. Merci beaucoup à l'Université de Grenoble pour cette invitation qui m'honore grandement, je dois dire. Et merci à Sandrine pour ces mots excessifs, mais ça fait toujours plaisir, même l'excès, ça fait plaisir, c'est pas grave. Donc je vais essayer de vous entretenir de choses qui me sont un peu à cœur, en fait. C'est dans ces périodes où les frontières se brouillent entre l'homme et l'animal, entre les primates humains et les primates non humains. J'aimerais remettre les choses dans le champ biologique, parce que si elles se brouillent dans le champ anthropologique, si elles se brouillent dans le champ poétique, ce n'est que justice, pour ainsi dire. Mais si elles se brouillent sur le plan biologique, ça devient grave, parce que c'est d'une certaine façon une négation de la théorie de l'évolution que de laisser cette chose survenir. Donc j'aimerais rappeler les différences biologiques qui existent entre les animaux et les végétaux d'ailleurs. Ce qui nous unit au monde animal auquel nous appartenons, mais aussi ce qui fait que toute espèce est unique, en fait. Hein.
Il y a un propre du singe, comme il y a un propre de l'homme, et ces propres sont déterminés par l'évolution. Donc, d'où cette première diapositive, suis-je un homme ou un frère ? C'est plutôt un frère, hein, ou un cousin, si vous voulez. Ce que je vais montrer, c'est un petit peu cette proximité, en même temps cette distance que nous pouvons avoir avec les autres animaux. Donc, sur le plan de l'évolution des espèces, vous voyez qu'en fait, c'est il y a environ 7 millions d'années que nous nous sommes engagés dans la voie des hominines avec la séparation des lignées humaines et des lignées des chimpanzés et bonobos, en fait, ce qu'on appelle les paninés. Et donc, vous voyez ici donc, les hominines, les paninés, et puis cette séparation qui s'est produite il y a environ 7 millions d'années. Donc, nous sommes à la fois proches des chimpanzés et bonobos, qui ne sont pas les mêmes espèces. Hein. Les chimpanzés et les bonobos sont des espèces différentes. Nous sommes à la fois proches, en même temps assez éloignés, puisqu'il faut rajouter 7 millions pour revenir ici, et 7 millions pour aller là, ça en fait quand même 14. Vous me direz, en face de l'histoire de la Terre, ce n'est pas grand-chose, mais enfin, quand même, au vu de l'histoire de la durée d'une vie humaine, ça fait quand même pas mal. Donc, cette évolution dans les... on va juste... vous voyez ici les gorilles, les chimpanzés et bonobos qui sont des paninés, et puis nous qui sommes donc des hominines, eh bien, cette évolution s'accompagne d'un agrandissement de la taille du cerveau. Vous pouvez voir ici à peu près. Ce n'est pas forcément l'échelle, mais j'essaie de respecter l'échelle. Donc, on a un cerveau qui est environ 4 fois plus gros qu'un cerveau de chimpanzé ou de bonobo. Donc, c'est pas rien, hein, vous allez voir, c'est 4 fois, c'est pas mal, hein, ça fait 400%. On est loin des 1,23% génétiques dont on nous bassine si souvent, parce que il y a des raisons pour lesquelles c'est 1,23%, qui d'ailleurs sont un fantasme, c'est pas 1,23%, mais c'est vrai que c'est pas énorme, se traduisent hein, sur le plan du cerveau en 400%, et puis toutes les régions du cerveau ne sont pas favoriser de la même façon les régions qui sont les plus engagées dans les processus cognitifs, c'est encore plus. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes des singes, nous sommes des animaux, mais nous avons cette excroissance frontale qui est... Bon, on peut s'en réjouir ou on peut s'en affliger. Hein. Ce n'est pas toujours rigolo, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le tragique. Hein. Donc... nous sommes d'ailleurs les derniers survivants dans cette série des humains, parce que on pense souvent qu'il n'y en a qu'un, mais en fait c'est une évolution extrêmement foisonnante. Hein. Vous voyez ici Sapiens, donc là on s'est séparé l'ancêtre commun entre les chimpanzés, les bonobos, les paninés et nous, mais vous voyez que sur la route, il y a eu quand même pas mal de copains. C'est un buisson, c'est un foisonnement. C'est pas uniquement une lignée qui aurait été directement de ci à ici. Et les autres ont tous disparu. Donc cette évolution des hominines se marque par des inventions culturelles, hein, les outils taillés, aussi par des modifications morphologiques. Vous voyez ici la réduction de la face, des inventions culturelles comme le culte des morts, les arts, les peintures, etc. Et eh bien, nous sommes les seuls survivants. Ici, je n'ai pas marqué les dénisoviens qui ont été découverts un tout petit peu plus tard et qui se sont séparés des néandertaliens il y a environ 500 000 ans. Nous, nous sommes séparés il y a environ 1 million d'années. 1 million d'années, les dénisoviens, qui sont en fait des humains sibériens, et puis les néandertaliens, et nous sommes séparés des néandertaliens il y a environ 500 000 ans. Ce qui fait que Sapiens, au maximum, aurait 500 000 ans. Une découverte récente faite par Jean-Jacques Hublin et son équipe ont trouvé un Sapiens de 300 000 ans. Donc on peut encore vieillir de 100 à 150 000 ans, si ça vous fait plaisir, mais on n'ira pas plus loin parce qu'on ne peut pas aller au-delà de la séparation avec les Néandertaliens. Voilà. Donc nous sommes les seuls. Et en même temps que nous sommes les seuls, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui est
assez important à mon avis. C'est que vous voyez ici que l'évolution de la taille du cerveau chez les hominines passe de 400 cm3, probablement avec l'ancêtre commun que nous avons avec les chimpanzés et bonobos, avec les paninés. Et puis, petit à petit, la taille du cerveau augmente pour culminer autour de 1200 à 1600 cm3 de cerveau chez Sapiens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le poids sec, si on tire le gras, hein, le poids sec des humains et des paninés, c'est la même chose. Donc en fait, on a pour 40 kg de corps, on a 4 fois plus de cerveau. Et ça, ça vous est un petit peu présenté sur cette diapositive, cette image un petit peu particulière. Vous voyez qu'il y a une relation linéaire entre le poids du corps et la taille du cerveau chez les grands singes. C'est relativement compréhensible parce qu'un cerveau, ça sert essentiellement à bouger en fonction de ce qu'on voit et de ce que l'on sent et ce que l'on entend en fonction des afférences sensorielles. Et donc, plus on a un grand corps et plus on a d'entrées sensorielles d'une certaine façon. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait un rapport entre la taille du cerveau et la taille du corps. Mais dès que vous entrez dans la lignée des hominines, et vous voyez que déjà, avec Homo habilis, vous êtes à 600 cm3, alors que 400 aurait bien largement suffi. Et puis, Sapiens, c'est autour de 1400 cm3. C'est ce qu'avec Jean-François Perret, nous avons appelé les 900 cm3 de trop. On n'avait pas besoin de ces 900 cm3. Ce sont les 900 cm3 du tragique. Hein, c'est-à-dire que Sapiens a accédé à des connaissances, en particulier à des connaissances sur lui-même, sur ce qu'est sa vie, sur le fait qu'elle se termine, sur le fait que même l'univers lui-même va se terminer, qui donne une dimension un peu particulière à sa façon de se comporter. Ici, j'ai un petit peu la même chose, sauf que j'ai mis des marqueurs sur lesquels je ne reviendrai pas tous, parce que c'est un petit peu compliqué. Donc là, vous avez ici notre ancêtre commun, avec nos cousins chimpanzés. Ce sont des cousins, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que... cette augmentation moyenne du volume crânien, dont on peut penser reflète le volume du cerveau, hein, parce que bon, on n'a pas gardé les cerveaux des fossiles, hein, il reste uniquement les parties dures. Et puis ici, ce qui s'est passé sur le plan culturel, ce qui est assez intéressant, puis alors nous avons, hein, vous l'avez lu dans la presse, nous avons des morceaux de génome de Denisoviens et de Néandertaliens, environ 6%. C'est-à-dire qu'il y a eu des croisements au moment où les espèces coexistaient. Il y a eu des croisements entre nous et nos collègues. Ça prouve que c'est quand même, d'une certaine façon, selon des critères qui sont des critères qui valent ce qu'ils valent, hein, sur le plan de la définition des espèces, on peut dire que c'est des espèces très voisines, sinon la même. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce qui se passe au niveau culturel, j'en ai parlé. Et là, ce qui se passe au niveau de processus moléculaire. Parce que, évidemment, les modifications d'un phénotype, hein, c'est toujours le résultat d'une modification d'un génotype. Et donc, là, ce sont des gènes qui ont été mutés. Alors, je ne parlerai pas de tous ces gènes, je vous parlerai un petit peu de celui-là, un petit peu de HAR5, pas 1. Et puis je m'arrêterai là, parce que sinon on en serait encore là demain matin. Mais tout ça a des effets sur l'expansion du cortex, sur le ralentissement du développement après la naissance, qui est un élément extrêmement important, et puis sur les capacités linguistiques, et, à la fois corticales, mais aussi mécaniques. Même si ça a été remis en doute il n'y a pas très, très, très longtemps sur cette histoire de descente du larynx. Alors, comment est-ce que le cerveau peut-il grandir? Alors, si vous étiez un arthropode, je veux dire une mouche, un homard, un insecte banal, vous n'auriez pas un cerveau comme le nôtre, vous auriez un ganglion, d'accord? Ou des ganglions cérébraux. Nous avons aussi un lien de parenté avec les homards, mais on s'est séparés d'eux il y a beaucoup plus longtemps que d'avec les singes, 300 millions d'années. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que si vous avez un ganglion, si vous augmentez la taille du ganglion, ça devient très, très lourd. Et surtout, le rapport surface sur volume n'est pas très favorable.
Donc au centre, il peut y avoir de la nécrose. Enfin, donc un cerveau d'insecte a une taille qui est limitée en droit, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est difficile de faire des insectes avec des cerveaux de 5 kg, de 1,5 kg. En revanche, les vertébrés ont inventé le plan. Et vous voyez, ça, c'est un plan. Ça, c'est notre cerveau. C'est ce qu'on appelle une plaque neurale. Et donc, quand ça se recourbe, ben, ça fait un tube qu'on appelle le tube neural. Et comme c'est un plan, eh bien, il n'y a pas de limite à la croissance. D'abord, c'est très fin, hein, c'est de l'ordre de 4 mm chez Sapiens, 4-5 mm. 2 mètres carrés quand même, hein, c'est pas mal. Mais ça peut se loger dans une cage, hein, sous un os. Là. S'il y en a trop, on replie plus, ça fait des circonvolutions. Donc il y a très peu de limites à la croissance. Donc ça, c'est un avantage considérable. Et là, ce que je vous ai présenté, c'est un cerveau très simple avec un lobe frontal, un lobe occipital et puis deux lobes pariétaux. Et là, j'ai fait une erreur, vous ne voudrez pas. Pariétal et temporal, en fait. Ça, c'est temporal. Et vous voyez qu'entre cet animal-là et celui-là, on a eu simplement une augmentation de la surface. Ça, c'est le cortex. Donc, j'augmente la surface de mon cortex. C'est tout bête. Et quand j'augmente la surface de mon cortex, alors avant j'avais des neurones ou des noyaux qui communiquaient comme ça, mais les flèches, ça veut dire que bon, ça se parle entre régions du cerveau, j'envoie des connexions, j'envoie des fibres nerveuses, des axones, des dendrites, tout ça. Et quand j'agrandis, évidemment, il y a plus de place. Donc par exemple, je peux avoir tout d'un coup une région qui va se structurer ici et qui va modifier tous les niveaux d'interaction, énormément d'interactions entre les différentes régions. C'est-à-dire que quand, déjà, sans modifier même la structure de base, frontale, pariétale, temporale, occipitale, je vais pouvoir déjà complexifier un tout petit peu le système, simplement en augmentant la taille. Mais je peux, en dehors d'augmenter la taille, faire quelque chose qui est encore plus amusant. C'est-à-dire, j'ai un appartement, d'accord. J'ai une salle de bain, une cuisine, et puis un salon, salle à manger, d'accord. Une chambre à coucher, voilà. Donc ça fait environ 4 pièces, 5 pièces. Et puis je double la taille de mon appartement, d'accord. Et là, ça va faire quand même une très grande cuisine, hein, vous êtes d'accord. Je peux déplacer le bord, c'est-à-dire que je vais, sur la même surface, proportionnellement diminuer la place allouée à une des pièces et augmenter la place allouée à une autre pièce. Ce qui veut dire même si j'augmente la surface, je peux en plus favoriser une des composantes. C'est-à-dire je peux augmenter la surface et ici, comme j'ai suffisamment de surface pour l'occipital, par exemple système visuel, eh bien, je vais décider, entre guillemets, que je vais garder ça à la même taille, et puis utiliser l'espace donné pour agrandir les aires pariétales ou temporales ou agrandir les aires frontales. Et c'est pour ça que même si j'ai 4 fois plus de cerveau qu'un chimpanzé, pour des aires qui sont impliquées dans les fonctions cognitives, j'ai beaucoup plus que 4 fois plus, parce que j'ai aussi déplacé les bords. Et c'est relativement simple de déplacer un bord, sans modifier la taille totale du cerveau. Vous voyez, par exemple, ici, c'est une manip. Ce sont deux gènes, deux facteurs de transcription de la famille de ceux qu'on a étudiés et que Sandrine a eu la gentillesse de rappeler, nos études. Et ce sont deux gènes de facteurs de transcription qui s'appellent le MX2 et PAC6, qui sont des homéoprotéines, qui sont exprimés en gradient à la surface du cortex. Il y a plus de MX2 derrière que devant et plus de PAC6 devant que derrière. Et ça m'amène à faire un animal, c'est une souris, un cerveau de souris, dans lequel j'ai des aires motrices ici, qui ont cette taille-là, une aire sensorielle qui a cette taille-là, et une aire visuelle qui a cette taille-là. Relativement simple. Bien, si maintenant je fais une mutation qui diminue l'expression de EMX2, dans EMX2 ou dans une région qui régule son expression, par exemple, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais agrandir les aires motrices et sensorielles et je vais diminuer les aires visuelles. Donc j'aurai déplacé les bords. Et je peux faire le contraire, je peux faire une mutation qui va diminuer l'expression de PAC6, et je vais augmenter énormément les aires visuelles, et je vais diminuer les aires sensorielles et les aires motrices. Tout ça avec un cerveau qui ne change pas de taille. D'accord ? Donc, j'agrandis l'appartement, mais en même temps, j'ai diminué la taille de la cuisine. Enfin, ça dépend, on choisit. Hein.
Donc, et tous ces bords se construisent, et vous voyez que chez un sapiens, que vous avez ici, les aires de Brodmann, c'est Brodmann a découvert ça il y a une centaine d'années, eh bien, vous avez environ 52 compartiments, 52 aires, qui sont définis par la position des bords entre les différentes régions du cortex. Et vous voyez ici, par exemple, sont les aires visuelles chez Sapiens, l'aire 17, 18. Eh bien, ces aires sont proportionnellement par rapport à ce qu'on peut avoir chez un singe, par exemple, sont diminuées. Mais des aires qui sont liées aux fonctions linguistiques, hein, les aires de Broca ou les aires de Wernicke, ou les aires qui sont les aires les plus antérieures et qui sont liées au fond au phénomène, je dirais, de traitement cognitif, sont énormément augmentées. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose En fait, c'est assez simple. Hein. Tout ça, c'est assez simple. Alors, vous imaginez que vous avez une mutation qui va vous diminuer EMX2, juste une mutation, donc un élément qui régule l'expression du gène. L'effet sur le plan phénotypique, l'effet sur le plan de la structure du cerveau, va aller extrêmement au-delà de l'effet d'une mutation. Hein, c'est-à-dire que donc, quand on parle de 1,23% de différence en mutation ponctuelle entre le génome d'un chimpanzé et le génome d'un humain, ça n'a pas de sens, parce que ça dépend où elles tombent, les mutations. Parce qu'une seule mutation, par exemple, peut vous faire quelque chose d'aussi dramatique sur la structure même de votre cerveau. Enfin, c'était au cours de l'évolution, hein, maintenant tout va bien, il paraît. Donc... Vous voyez comment ça se passe. Donc j'ai un système sensoriel, j'ai un corps hein, qui est construit par ces gènes, mais ça, dont la forme est construite par ces gènes, mais je ne vais pas en parler. Et puis vous avez par exemple des systèmes sensoriels qui vont faire monter. Par exemple, je me pince, ça me fait mal, donc c'est monté hein, parce que c'est la sensation de douleur, elle est interprétée au niveau cérébral. Et donc vont monter sous la forme de représentation du corps dans différentes régions du cerveau, le thalamus, j'en parlerai plus tard, mais ici, le cortex sensoriel. Et donc, et plus vous avez d'innervation, et plus l'organe au niveau du cerveau est grand. Par exemple, la main, chez l'homme, est un organe qui est extraordinairement sensible. C'est incroyable, une main, ce que ça peut faire. Comment ça peut savoir saisir un objet sans le briser, etc. Donc, c'est un organe qui a une sensibilité énorme et donc très, très innervé sur le plan sensoriel, mais aussi sur le plan moteur. Et donc, il est extraordinairement représenté au niveau du cortex sensoriel. Le pied, en revanche, bon, sauf chez les danseurs peut-être, mais est pas très représenté. Mais les lèvres hein, et la bouche, qui sont aussi extraordinairement innervées, ont une représentation au niveau cortex qui est très supérieure à celle que vous voyez dans l'homonculus, dans ce que j'appelle l'homonculus du miroir, celui que vous pouvez voir dans la glace. Donc, je reviens ici sur les aires motrices et sensorielles pour vous expliquer un truc. Pourquoi est-ce que je peux changer les bords? Pourquoi est-ce que je peux changer un bord? Parce que la structure globale du cerveau est uniforme à travers le cerveau. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai les aires motrices, les aires sensorielles. Donc, c'est cet moteur sensoriel. Et il fallait vraiment avoir l'œil de Brodmann. Je me demandais s'il ne l'a même pas inventé. C'est un truc... l'œil de Brodmann, pour voir que ça, c'est différent de ça. C'est les mêmes neurones, c'est les mêmes structures. Ça se ressemble de façon incroyable. Mais l'avantage, c'est que comme c'est les mêmes structures, je peux bouger le bord et recruter tous ces neurones ici pour une autre fonction que la fonction sensorielle. C'est-à-dire que si je change le bord entre moteur et sensoriel, bien en fait, je vais pouvoir utiliser les mêmes cellules. Donc, et ça, c'est cette uniformité, et j'y reviendrai, de la structure, de l'architectonique cellulaire du cortex, qui fait qu'on peut ainsi non seulement augmenter la taille du cortex, mais aussi modifier les différents compartiments. Alors, il n'y a pas que la surface, il y a aussi de la profondeur. Je vous ai dit, le cortex humain a une profondeur de 4 à 5 mm. Ce n'est pas énorme. Hein. Chez la souris, c'est de l'ordre de 2 mm, en gros. Mais bon, c'est plus épais chez un humain que chez un primate non humain que chez une souris ou un rat. Hein. Et donc le cortex est divisé en plusieurs couches, 1, 2, 3, 4, 5. Et chez Sapiens, vous avez une multiplication des sous-couches. Par exemple, vous avez 2A, 2B, 3A, 3C, 3B. Et ça, c'est très important parce que ces couches dans le cortex sont des
système qui traite l'information. Par exemple, j'ai une information sensorielle qui arrive ici, via un relais dans une structure qu'on appelle sous-corticale, qu'on appelle le thalamus. J'ai l'information sensorielle... J'ai l'information sensorielle qui arrive ici, au niveau de la couche 4, et au niveau de la couche 4, elle est traitée. Par exemple, j'ai l'information visuelle qui vient, et elle est traitée au niveau de la couche 4. Et ensuite, elle va en 3, en 2, c'est un petit ordinateur, qui envoie le résultat au niveau de la couche 5, par exemple, au niveau de la couche 6, et hop, j'envoie la réponse. Par exemple, je vais là, je vois arriver un type très très fort et qui n'a pas des intentions particulièrement sympathiques. Et après avoir traité l'information, je décide de partir dans l'autre sens et assez rapidement. Donc ça, c'est une sorte de complexification de l'arc réflexe, c'est-à-dire que je réfléchis avant de prendre la décision, parce que sinon, là, j'aurais pu décider d'aller lui casser la figure. Mais comme je suis intelligent, j'ai inhibé le système et j'ai décidé de faire autrement. Mais ce que vous avez ici computé au niveau sensoriel, vous pouvez l'envoyer comme si c'était une information elle-même vers une autre région d'analyse supérieure, par exemple, qui va, et aussi de niveau en niveau, chaque, par exemple, ce qui va sortir d'ici, ça peut aller... sortir de 2-3, ça peut aller vers 4 dans une aire d'analyse de niveau supérieur. Par exemple, je vois et ça m'évoque quelque chose. Je vois... je ne vais pas vous dire quoi, mais enfin, vous voulez bien ce que je veux dire. Je vois, ça m'évoque quelque chose, ça évoque des pensées, ça m'entraîne à prendre des décisions différentes. Ou... Voilà. Donc, au fond, ce sont des systèmes qui s'emboîtent et plus on a de neurones et plus on a un cerveau grand, et plus ces systèmes complexes d'interaction sont développés. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir autant de neurones? Parce que vous voyez ici que j'ai évidemment beaucoup plus de neurones qu'ici. Et encore, je n'ai marqué que les neurones qui sont ce qu'on appelle les neurones pyramidaux, c'est-à-dire les neurones qui sont les neurones effecteurs. Je reviendrai plus tard sur les inhibiteurs qui sont extraordinairement importants. Bien, les neurones, ils sont générés ici, au niveau du tube dans le cerveau. Et puis, je ne vous dirai pas comment ils sont générés, mais ils migrent le long de guides, qui sont des guides gliaux, et puis ils vont s'arrêter là où il faut dans le cortex pour faire la couche qu'il faut. La couche 2, la couche 3, la couche 4. En général, on fait la couche 5 avant, puis on fait la couche 4, puis on fait la couche 3, puis on fait la couche 2. Donc, cette migration est une migration très importante, qui permettent de mettre les neurones là où il faut, dans l'épaisseur du cortex. Mais évidemment, si vous avez beaucoup de neurones, c'est parce que vous en avez généré beaucoup plus. Donc, vous voyez ici que chez une souris, vous avez une aire dans laquelle les neurones sont générés, on appelle la zone ventriculaire, c'est là, et puis la zone sous-ventriculaire, qui est un tout petit peu plus loin. Mais chez un primate, vous avez une zone sous-ventriculaire qui est divisée en deux, avec beaucoup plus de neurones qui sont générés à ce niveau-là. Donc, vous avez énormément plus de neurones. Donc, je ne vais pas vous dire pourquoi ni comment, mais juste une chose qui va vous montrer le lien avec la génétique, qui est évidemment très intéressant. Donc, et comme il y en a plus, bah, vous voyez, ça commence à plisser. Ça commence à plisser, ça commence à faire des circonvolutions, parce que si vous avez trop de neurones, vous avez trop de cerveau, il faut bien le caser quelque part. Alors là, vous voyez, c'est un exemple génétique. Alors, ceux que ça intéresse pas, ils ferment les yeux, ceux que ça intéresse, ils regardent, voilà. Donc, chez, c'est ce que ça s'appelle, c'est Human Accelerated Regions. Donc, c'est-à-dire que vous avez dans votre génome des petites régions, pas très grandes, par exemple 180 nucléotides, 200 nucléotides, c'est très peu de choses, et qui sont conservées dans toutes les espèces. Les chats, les chiens, les singes, les humains, etc. Et puis, chez les humains, on voit un très grand nombre de mutations. Alors, comme elles sont très conservées, ça veut dire qu'elles sont importantes. Et chez les humains seulement, vous voyez énormément de mutations, ce qu'on appelle des régions qui sont accélérées, human accelerated, ECHE, d'accord ? Et donc, comme elles sont accélérées chez les humains, c'est très peu. Là, par exemple, dans ce fragment de cette région HRS1, il y a 16 mutations. C'est rien du tout, 16 mutations. Et 16 mutations, ça représente une accélération de l'évolution énorme sur le plan moléculaire.
Or, cette région-là, vous voyez, elle est capable d'aller se mettre sur un enhancer, c'est-à-dire qui augmente l'expression d'un récepteur à un facteur de croissance dans le système nerveux, par un repliement de la chromatine. Eh bien, si vous prenez ce petit morceau-là et que vous lui mettez un gène réparateur, vous voyez qu'il est très très fortement, permet l'expression d'un gène dans le cortex et aussi dans les régions un petit peu postérieures au cortex, hein, le cerveau moyen. Et maintenant, si vous prenez le HRE de chimpanzé, pense pantroglodytes, hein, et que vous lui faites exprimer ce récepteur, et que vous mettez ça dans une souris, la souris, elle s'en fiche complètement. Elle a toujours un cerveau de la même taille. Hein. Mais si vous prenez le promoteur, le HRS, le HRE, le Human Access Region de Sapiens, Homo Sapiens, et que vous lui faites exprimer le récepteur de la souris, là c'est Maus Musculus, ben vous voyez que vous augmentez la surface de votre cortex de souris, et vous augmentez la longueur du ventricule de souris. Donc, la souris, elle sert de tube à essai pour comparer les deux morceaux de génome d'environ 180 nucléotides. Et pourquoi ces 16 mutations, en fait, elles augmentent, permettent d'augmenter la taille du cerveau de la souris. Et elles le font simplement pour des raisons très, très bêtes. C'est qu'il faut un certain temps pour se diviser. Hein, et plus vous vous divisez rapidement, et plus vous êtes de neurones. Et en fait, cet élément, il permet une division plus rapide des cellules. Donc, dans le même temps, je vais faire plus de progéniteurs neuraux et donc je vais agrandir la taille de mon cerveau de souris en ayant mis un élément régulateur génétique humain avec juste 16 mutations. Et de nouveau, j'insiste sur le fait qu'un tout petit nombre de mutations peut avoir des effets dramatiques sur le plan du phénotype, de la morphologie du système nerveux. Alors, on va passer maintenant à des choses plus intéressantes. Encore. Il y a aussi une chose de très très différente entre l'homme et le chimpanzé, c'est la vitesse de son développement. Vous voyez ici par exemple, à la naissance, un chimpanzé normal, c'est un pantroglodytes, hein, il a la taille de son cerveau est de 50% de la taille adulte. C'est énorme. Chez Sapiens, à la naissance, la taille de son cerveau est 10% de la taille adulte. C'est-à-dire que quand un bébé sort, la taille de son cerveau est 10% de ce qu'elle est chez un humain adulte. C'est très, très peu. Alors, il y a des raisons pour ça. Il y a plusieurs raisons pour ça. Alors, il y a une pression évolutive pour faire des petits cerveaux à la naissance chez Sapiens. Et une des raisons évolutives, c'est le fait que nous sommes des bipèdes. Et donc, sur le plan obstétrique, c'est plus difficile de faire passer un nouveau-né qu'un quadrupède. Et puis, l'autre raison, c'est que le cerveau est gros. Donc, si on attendait que le cerveau ait 50% de sa taille finale, c'est-à-dire, disons, de l'ordre de 700 cm3, et qu'en plus on est bipède, n'y pensez même pas. D'accord ? C'est pas possible, sur le plan mécanique même. D'accord ? Ce qui veut dire que l'essentiel du développement de Sapiens va être postnatal. Mais ça, c'est très important. Parce que comme vous avez un développement postnatal, le cerveau va être au contact d'un milieu qui est un milieu extraordinairement riche sur le plan social et culturel. Il va arriver dans une famille très sympathique, dans une caverne, où il y aura des peintures rupestres, et maman va pouvoir lui parler, papa va lui montrer comment on va à la chasse, la culture, quoi. Et donc, son cerveau va se développer dans ce milieu-là. Alors que s'il s'était développé de façon intra-utérine, c'est pas pour dire que c'est pas riche, mais c'est pas tout à fait pareil, hein, donc sur le plan culturel. Et donc, comme le milieu a une influence extraordinairement importante sur la maturation du système nerveux, le fait que notre système nerveux se développe essentiellement de façon postnatale a des effets extraordinairement importants sur les capacités culturelles de notre espèce. Et d'ailleurs, là, c'est un test tout bête qui a été fait. Par exemple, si vous prenez un humain de 3 ans, on essaye de les prendre relativement tôt pour qu'ils ne soient pas déjà trop intelligents, d'accord ? Et vous prenez un chimpanzé adulte ou un orang-outan adulte, si vous faites une tâche physique
D'accord. Et les chimpanzés et les orang-outans sont aussi bons que les humains, même meilleurs, à vrai dire. Mais si vous prenez une tâche qu'on appelle du domaine social, c'est-à-dire reconnaître l'empathie, essayer de percevoir un sentiment qui passe, ce qu'on appelle une théorie de l'esprit, c'est-à-dire attribuer à quelqu'un d'autre une intention, par exemple, eh bien, l'humain de 3 ans, il est déjà nettement supérieur à un chimpanzé adulte. Donc, ça ne veut pas dire que les chimpanzés, et je ne voudrais offenser personne, ne sont pas des animaux intelligents, mais ce ne sont pas des humains. Voilà. Donc, ils sont plus intelligents probablement dans la jungle que nous, mais voilà, pas dans le laboratoire en tout cas. Alors, ce ralentissement, on peut le mesurer sur le plan génétique. Donc, je n'ai pas montré plein de gènes, j'ai juste montré 3 ici parce qu'ils sont intéressants. Sarah Benn a une des premières diapositives sur le ralentissement du développement. Vous voyez par exemple ici un gène qui s'appelle MEF2A, c'est un facteur de transcription. Et vous voyez que chez un chimpanzé ou un macaque, il est élevé très tôt et puis il baisse après. Alors que chez Sapiens, il est élevé plus tard, entre 3 et 18 ans. Et il en va de même de ces 3 gènes ici qui sont des gènes qui sont impliqués dans la plasticité. Dans la plasticité, c'est-à-dire dans la capacité qu'a un cortex d'apprendre, de se modifier morphologiquement, de marquer dans sa structure les connaissances qu'il acquiert de l'extérieur. Et j'y reviendrai dans un instant. Donc ça, c'est extraordinaire parce que ça vous prouve que sur le plan moléculaire, sur le plan génétique, vous avez aussi ce décalage de maturation. Vous maturez plus tard. Et vous avez une plasticité prolongée après la naissance. Alors voilà ici MEF2A, toujours. Comment ça s'est produit, ça ? Ben, c'était des mutations qui sont produites, en fait, après... Alors là, je sais que ça ne va pas faire plaisir, mais... et donc, je fais attention, parce que ce n'est peut-être pas vrai, d'accord ? Mais c'est ce qu'on lit dans la littérature. Ce sont des mutations qui auraient pu se produire après la séparation d'avec Néandertal. C'est pour ça que ça ne fait pas plaisir, parce que ça veut dire que peut-être Néandertal n'aurait pas les mêmes capacités cognitives que nous. Or, aujourd'hui, il y a un grand mouvement pour Néandertal. Je ne sais pas si vous avez remarqué... Il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Mais, en fait, ces mutations qui se sont mises dans les promoteurs du gène 2A et qui ont eu un pic, ici, de mutations ponctuelles dans les humains modernes, se sont produites un peu après notre séparation avec les Néandertaliens. Et c'est possible que ces mutations, c'est possible, soient responsables de la néoténie, c'est-à-dire le développement plus tardif, l'expression plus tardive de ce gène qui est un gène important. Il y a aussi des gènes qui sont impliqués dans la formation des synapses et qui sont aussi retardés dans leur maturation. Vous voyez ici DLG4, vous voyez ici CYP, ici SYNC-AP1, etc., qui sont aussi des gènes qui sont impliqués dans la formation des contacts synaptiques. Ce qui fait qu'en fait, si vous comparez la nombre de synapses par 100 micromètres cubes, par exemple, chez un humain, un chimpanzé ou un macaque, vous voyez que l'humain, il met du temps. On peut les compter, les synapses. Il met du temps. C'est-à-dire que chez les chimpanzés et les macaques, paf, à la naissance, on est déjà quasiment au max. Hein. Chez nous, il faut quand même attendre 2 ans et demi hein, pour avoir le maximum. Donc ça prend du temps, les contacts se font lentement. On n'est pas rapide. Au développement, hein, au démarrage en tout cas. Et donc ça, vous voyez ici, je voulais un petit peu schématiser. Alors les données chez le chimpanzé se sont arrêtées à 1 an, parce qu'on n'a pas de chimpanzé pour travailler. Il est interdit de travailler sur le chimpanzé. Hein. C'est des chimpanzés qui ont été trouvés comme ça par hasard, mais on ne fait pas des élevages de chimpanzés pour faire des expériences. De macaques, oui. Donc, et des humains, oui. Mais des chimpanzés, non. Voilà. C'est la vie. Alors, cette question de la maturation lente est une question qui est évidemment fondamentale parce qu'il n'y a pas que le cortex visuel dont je vous ai parlé, il y a tous les cortex. Hein. Et donc, vous voyez cette maturation lente, elle permet l'apprentissage autour de périodes qu'on appelle des périodes critiques d'apprentissage. Donc, vous savez très bien que si vous voulez apprendre à jouer d'un instrument de musique, vous avez intérêt à apprendre relativement jeune. Vous pouvez apprendre tard, il n'y a pas de doute, hein. Mais enfin, ce ne sera pas Glenn Gould. Hein.
Mais vous apprendrez. Mais bon, les voisins seront moins contents que si vous avez appris tôt. Pareil pour la lecture, pareil pour les langues étrangères. Donc, il y a des moments où le cerveau est quand même plus plastique. Hein ? Cette plasticité corticale est quelque chose de très important. Et toutes les modalités ne se développent pas dans leur plasticité de façon synchrone. Par exemple, l'audition, c'est très très tôt. Peut-être parce qu'on entend dans le ventre de sa mère. D'accord ? L'audition, c'est très tôt. La vision, c'est un petit peu plus tard. Hein ? L'apprentissage des nombres, la conceptualisation, le langage, etc. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Vous voyez qu'il y a des fonctions qui sont encore plastiques relativement tardivement chez Sapiens. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est le moment où votre cortex va se modifier en différentes régions du cortex pour ainsi dire, imprimer dans sa structure ce qu'il apprend dans un contexte social, dans un contexte d'école, dans un contexte familial, dans un contexte sociétal, tout ce que vous voudrez. D'accord ? Si vous ne parlez pas à un enfant, l'expérience a été faite, il ne parle pas. Voilà. Il faut qu'il apprenne à entendre la langue pour l'apprendre. Alors, comme je disais, ces périodes de plasticité qui sont tellement fondamentales pour l'apprentissage, elles ne sont pas les mêmes pour toutes les régions du cortex. Vous voyez, par exemple, le cortex visuel, ici, ça va être plastique à partir de l'ouverture de l'œil. Là, je suis chez la souris. Les souris ouvrent l'œil à 14e jour après la naissance. Et puis, la plasticité va passer par un pic, et puis, elle va s'éteindre. Et puis, vous avez des systèmes moteurs, et puis, vous avez des systèmes, je dirais, plus complexes, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, je dirais, d'ordre affectif ou cognitif, et j'y reviendrai dans un instant. Donc, toutes ces régions ne mature pas de façon synchrone. Alors, je vais vous donner... Alors, là, il faut faire un tout petit effort. Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va ? Bon. Vous avez de la chance. Donc, c'est que, tout à l'heure, je vous ai montré tous les neurones pyramidaux. Je ne vous ai pas montré les petits neurones bleus, ici, qui sont des neurones inhibiteurs. Et eux, ils ne viennent pas du ventricule, ils viennent de ce qu'on appelle les éminences ganglionnaires. Ça n'a pas d'importance. Mais ils arrivent comme ça, alors que les autres, ils font comme ça. Et ces neurones pyramidaux, ces neurones bleus, ici, mais ils peuvent être verts aussi, ou sont des interneurones, eh bien, ce sont des systèmes inhibiteurs. L'inhibition, c'est fondamental. C'est probablement une des choses les plus importantes, c'est de comprendre que l'inhibition est fondamentale dans la construction d'un cerveau. Et un neurone comme celui-là, basket cell, ici, il peut inhiber plusieurs dizaines de neurones pyramidaux qui déchargent. Donc, ce sont des petit gars extrêmement solide et qui bloque le système. Donc ça, c'est juste, je vais en avoir besoin dans un instant. Donc, la plasticité, hein, ça a été démontré par un de mes collègues, Takao Hench, la plasticité, alors là, j'ai un truc immature, j'ai plein d'excitation et j'ai peu d'inhibition parce que mes petits interneurones, ils ne sont pas très forts. Et puis, au cours du temps, l'inhibition gagne. Vous voyez, I ici est plus grand qu'ici. Et quand l'inhibition gagne, la plasticité s'ouvre. Je deviens intelligent. Et quand la plasticité, l'inhibition est stabilisée, j'ai des changements de structure qui font que je ne peux plus apprendre. Je redeviens bête. D'accord ? Donc, ce n'est pas qu'on est intelligent jusqu'à 18 ans qu'on devient idiot après. C'est qu'on est idiot pendant un certain temps, on est intelligent pendant une petite période, on redevient idiot après. Et cette petite période dans laquelle vous êtes intelligent s'appelle la période critique. C'est normal. Hein. Donc cette période critique, elle est liée à la maturation de ces petits gars-là, en bleu, qui vont aller inhiber les voies excitatrices descendantes, glutamatergiques. Alors ça, c'était démontré. On ne travaille plus beaucoup aujourd'hui sur le chat. Mais à l'époque, Thorsten Wiesel et David Hubel ont fait des expériences extraordinaires, ils ont eu le prix Nobel pour ça d'ailleurs, sur la vision binoculaire chez le chat. C'est un des grands modèles de plasticité. Hein. Les chats, ils sont comme nous, ils ont les yeux, je dirais, de façon frontale. Donc ils ont un poids de vision identique pour les deux yeux. Donc il y a un grand cortex binoculaire. C'est un cortex qui est innervé
par les neurones qui viennent de l'œil droit, ici par exemple en blanc, et les neurones qui viennent de l'œil gauche, ici en noir. Et donc cette région ici du cortex visuel binoculaire reçoit droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, à travers un relais thalamique, on s'en fiche. Maintenant, si pendant la période où je suis plastique, je ne suis pas plastique, je suis plastique, je ne suis plus plastique. Mais si pendant la période où je suis plastique, je ferme un œil et que j'attends la fin de la période normale de plasticité, je rouvre l'œil, je suis amblyope. Cet animal-là est amblyope parce que toutes les fibres de l'œil restées ouvertes ont envahi, ou énormément envahi, les régions qui étaient destinées à l'autre œil. Donc cette plasticité, qui est une plasticité morphologique, elle fait que l'adulte que j'ai créé est un adulte qui n'y verra que d'un œil. Il a un œil paresseux. Il y a 3% d'enfants, de 3% d'adultes amblyopes dans le monde, c'est énorme. Ce sont, la plupart des cas, des enfants qui n'ont pas été opérés d'une cataracte avant l'âge de 7 ans. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple extrêmement classique de plasticité. C'était un coup de tonnerre hein, quand Thorsten et Wiesel et David Hubble ont démontré ça. Et évidemment, ce n'est pas uniquement chez le chat. C'est aussi chez les humains, j'ai dit, amblyopie, hein, une maladie. Et puis, c'est aussi chez la souris, avec le même système. Je ferme l'œil contralatéral et les fibres qui viennent de l'autre œil envahissent les régions qui étaient des régions qui étaient destinées à cet œil contralatéral. Et ça, c'est lié, je vous l'ai dit, cette période de plasticité pendant laquelle, si je fais ça, je produis ça, c'est une période qui est liée à la maturation des systèmes inhibiteurs, donc à la maturation de mes petits neurones que j'appelle neurones PV, mais ça n'a pas d'importance, on s'en fiche. Juste une seconde, je vais montrer deux ou trois manips qu'on a faites dans le laboratoire qui vont vous permettre de comprendre deux ou trois choses. Ça, c'est les collègues avec qui j'ai travaillé, donc le fameux Takao Hench, puis les gens de mon labo et d'autres, donc voilà. Et je vais revenir sur ce que disait Sandrine, sur ces facteurs de transcription qui se promènent. Là, c'est un truc qui est incroyable. Ce sont des protéines qui sont dans le noyau, et d'un coup, d'ici, dans le noyau de la voisine. Y faire des choses... Alors maintenant, récemment, il y a un papier qui vient de sortir, pratiquement toutes le font. C'est une nouvelle voie de signalisation. Ce sont des gènes, des facteurs de transcription qui ont été découverts chez la drosophile il y a très longtemps, par Walter Gehring en particulier, et qui sont des gènes de morphogenèse. Vous voyez ici, normalement, sur la tête d'une drosophile, ici, vous avez les antennes. Hein? Quand ce gène, un de ces gènes est muté, les antennes se transforment en pattes. Voilà. Ce n'est pas joli à voir, mais la mouche ne le sait pas, de toute façon. Donc je passe là-dessus, c'est tous les systèmes dans lesquels ça a été démontré, cette voie de signalisation. Et je reviens ici sur quelque chose de très simple, maintenant. Il y a dans le cerveau une région qu'on appelle le plexus choroïde. Alors, le plexus choroïde, c'est ce qu'on appelait le rein du cerveau. Hein. Le rein du cerveau, parce que c'est ce qui nettoie le liquide qui se balade dans les ventricules. Parce que les neurones, ça fait plein de trucs, les glies aussi, toutes les cellules, ça sécrète plein de cochonneries dans le liquide céphalo-rachidien. Et ça, ça doit être nettoyé, et donc c'est capturé par le plexus choroïde. Et puis, tout ce qui... Et donc, c'est un rein, quoi. Ça envoie tout dans la circulation veineuse, et puis ça part dans le foie, ça part... Voilà. Donc, mais ces plexus choroïdes, ce n'est pas uniquement du rein du cerveau, c'est aussi des choses qui sécrètent dans le cerveau des choses extraordinairement importantes. Des facteurs de croissance, des facteurs de transcription, des facteurs de survie, tout ce que vous voulez. Et il se trouve qu'il y a un facteur de transcription qui est sécrété dans le plexus choroïde, qu'on appelle OTX2, et qui va dans les neurones d'arvablumine, et c'est lui qui démarre la maturation des neurones, les petits, qui démarre l'inhibition. C'est-à-dire que quand cette protéine arrive dans ces neurones, le neurone commence à vieillir, il commence à faire de l'inhibition, il mature. Hein. Et donc ça, ça vient des plexus choroïdes, vous voyez, la protéine elle est en marron ici, hop, elle vient se promener là, et je peux bloquer ça. Génétiquement, je ne vais pas vous dire comment parce que c'est trop compliqué. Mais si je le bloque, je réactive les gènes de plasticité et je rouvre la plasticité chez l'adulte. Et ça, c'est très intéressant parce que ça me permet de guérir, par exemple, l'amblyopie. Je prends une souris amblyope, j'ai pris une souris. Je lui ai fermé un œil
au 14e jour après la naissance, pendant la période de plasticité. Elle se réveille au 40e jour, elle ne voit plus de cet œil-là, parce que l'œil est amblyope, l'œil paresseux. Donc je prends la même souris, adulte maintenant, je bloque le passage de TXE, la souris rouvre la plasticité, et comme elle, dans une cage, elle voit les trucs, eh bien elle redevient normale. Donc vous avez pu guérir l'amblyopie chez la souris. Donc ça, c'est un moyen de manipuler la plasticité chez l'adulte. Voilà, j'ouvre, la protéine s'accumule, elle atteint un premier seuil, non, elle s'accumule dans ces neurones-là, elle atteint un premier seuil de concentration, et là, je suis plastique, l'inhibition augmente. Et là, je suis plastique. Là, je peux apprendre. Je peux apprendre la vision binoculaire. Je passe le deuxième seuil, terminé. Je ne suis plus plastique. Je ne peux plus apprendre. J'ai passé 7 ans et je ne vais pas guérir de ma amblyopie provoquée par la cataracte. Mais je peux rouvrir en baissant au TX2 une période de plasticité et là, je peux guérir ma souris amblyope. D'accord ? Donc ça, c'est tout bête, hein ? Et si je vous parle de ça pour le système visuel, c'est parce que, évidemment, on s'en fiche un peu hein, de l'amblyopie. Entre vous et moi, ce n'est pas une maladie très grave. Mais il se trouve que le fameux OTX2, on ne le retrouve pas uniquement dans le cortex visuel. On le retrouve dans tous les neurones par valbumine, ces petits neurones là, qui sont là. On le retrouve dans tous, dans toutes les régions du cortex. Le cortex auditif, le cortex somatosensoriel, le cortex singulaire, le cortex préfrontal, les noyaux de l'amygdale, etc. Et donc, ce que nous avons proposé pour le système visuel, on peut imaginer que c'est vrai aussi pour les autres régions du cortex, qui sont plus intéressantes. Et quelqu'un de mon laboratoire, qui s'appelle Ariel Dinardo, en collaboration avec Tucker Wrench, ont démontré qu'effectivement, OTX2 avait un rôle dans la plasticité du cortex auditif et du cortex préfrontal. Et vous me direz alors, si OTX2 fait plexus choroïde tout le temps, comment ça se fait que tout ça, ça ne soit pas synchrone ? Parce que en fait, les récepteurs qui sont présents à la surface de ces neurones et qui permettent la capture de OTX2, ces récepteurs se mettent en place, vous voyez ici en vert, en fait ce sont des sucres complexes, quand le stimulus arrive. Si le stimulus sensoriel, c'est la vision, il n'y a que les neurones du système visuel qui vont être capables de capturer OTX2. Si le stimulus sensoriel, c'est l'audition, il n'y aura que les neurones du cortex auditif qui vont capturer OTX2. Donc, c'est la stimulation qui permet à ces neurones de capturer la molécule qui va engager l'inhibition, qui va donc ouvrir la plasticité dans la modalité qu'on aura choisie. Et là, les modalités, elles sont intéressantes. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que la vision. Il y a aussi l'audition, mais il y a aussi la conceptualisation, il y a aussi le contrôle des émotions, il y a aussi l'apprentissage des langues, il y a aussi l'apprentissage du calcul, etc. Et là, ça implique aussi une maturation du cortex. Voici un exemple, par exemple, du cortex dorsolatéral préfrontal. Hein. C'est une région qui est assez importante parce qu'en fait, sa période critique, quand l'inhibition augmente, et quand l'excitation diminue, quand vous avez le shift excitation-inhibition qui ouvre la plasticité, elle se produit autour de 15-16 ans. Et l'idée qu'ont un certain... Alors ça provoque des oscillations, parce que inhibition et activation, ça fait des oscillations entre les neurones glutamatergiques, les grands neurones pyramidaux et les petits neurones GABAergiques, donc ça fait quand même du 80 Hz. Ce que vous voyez ici, c'est que il y a un lien, pour certains auteurs, entre des maladies psychiatriques et quelque chose qui se passerait mal au moment de cette période critique. Imaginez, par exemple, c'est une hypothèse, les hormones arrivent, vous avez 15 ans, d'accord ? Le monde change. Je suis sûr que vous en souvenez. Hein ? Vous ne vous voyez pas de la même façon, vous ne voyez pas les autres de la même façon, les autres ne vous voient pas de la même façon, donc tout le milieu change. Si le cortex ne suit pas, c'est une période critique, hein, s'il y en a une, c'est bien celle-là, c'est une période critique, si le cortex qui est chargé de gérer ses fonctions ne change pas à ce moment-là, s'il ne s'adapte pas, certains psychiatres pensent qu'il y a une origine neurodéveloppementale de ces maladies psychiatriques
justement lié à une aberration de la plasticité au moment où on en aurait vraiment besoin dans cette région-là du cortex, qui est une région très frontale du cortex. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence ? Hein ? C'est un test relativement simple. Ça, c'est une figure qu'on appelle une figure de Mounet, c'est-à-dire une figure qui est tellement stylisée qu'il faut un temps pour voir que c'est un visage humain. Et si vous la mettez à l'envers, il faut quand même de l'ordre de 400 millisecondes pour chacun d'entre nous pour dire « Ah, c'est une tête d'homme hein ». Et donc, au cours du développement, chez une enfance précoce, il nous faut 1100 millisecondes pour se dire « Ah, c'est une tête d'homme ». Et puis, vous voyez, on apprend, et à la fin, on a l'adolescence précoce, enfin, early adolescence, vous avez en fait un truc à peu près normal. Hein. Et c'est ce qu'on voit ici avec les fréquences, justement, à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'il y a eu la maturation des neurones qui a permis la mise en place des oscillations. Et puis, à la late adolescence, il y a une sorte de relapse, c'est-à-dire qu'on se débobine. On se débobine. Hein. Et vous voyez ici, en gris, que le nombre des oscillations est maintenant beaucoup moins fort. Et puis, chez l'adulte, hop, ça revient en place. Et ça suggère qu'entre l'adolescence précoce et la late adolescence, il y a un moment où il y a un remaniement qui se passe au niveau du cortex. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits par Wolf Singer, qui est un physiologiste allemand. Et en fait, c'est une des hypothèses sur lesquelles est fondée l'idée, une des expériences sur lesquelles est fondée l'idée que certaines maladies psychiatriques pourraient être des maladies de période critique au cours du développement, dans des régions très spécifiques du cortex. Hein, en l'occurrence, ici, dans le cortex frontal dorsolatéral. En l'occurrence, juste un petit point pour les nutritionnistes. Le cerveau, ça tape très fort. Hein. Ça, c'est 80 polarisations, dépolarisations par seconde. Donc, ça consomme énormément d'énergie. Notre cerveau consomme 20% de l'énergie quotidienne. Hein. Il fait que 2% du poids du corps, mais 20% de ce qu'on mange, ça va pour faire vivre le cerveau. Et le nôtre est donc extrêmement actif. Et en fait, si nous avions une... d'après ces auteurs, hein, je me cache derrière eux, si nous avions une diète de chimpanzé avec des légumes crus, il faudrait manger 10 heures par jour pour faire tourner la machine. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour autre chose. Il faut dormir hein, aussi. Donc en fait, la cuisine, les aliments cuits, la viande cuite... ont été une contribution énorme, en fait, à l'adaptation nutritive du fonctionnement cérébral. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas que je ne sois pas vegan, hein, comme tout le monde, mais il faut faire cuire les légumes avant. Et donc, maintenant, je reviens un petit peu sur les histoires de période critique. Et ça, c'est une expérience qui va vous amuser. Parce que c'est une souris qui a fait des petits. Et vous retirez les petits de la mère entre 0 et 10 jours, après la naissance. Vous retirez les petits de la mère entre 10 jours et 20 jours après la naissance. Vous retirez les petits de la mère après. Si vous les retirez entre 0 et 10 jours, la mère s'en fout, les petits s'en foutent, tout le monde s'en fout. Voilà. Si vous les retirez après 20 jours, tout le monde s'en fout. Mais si vous retirez les petits entre 10 jours et 20 jours, ah, ça, c'est pas bon. Ce qui se passe, c'est que vous avez une baisse d'une protéine, toujours la même, OTX2, dans une structure du cerveau qui est très importante pour les systèmes émotionnels, qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale. Vous avez cette baisse-là. Et chez l'adulte, les souris non résilientes, les petits non résilients qui auront subi cette séparation maternelle dans une période critique de 10 à 20 jours, eh ben, ils vont être pauvres en interaction sociale, ils vont avoir la trouille en fait, d'une défaite sociale, ça va les rendre vraiment mal. Et puis, en plus, ils sont déprimés. Donc ça, c'est pas drôle. Mais c'est juste pendant cette période-là. C'est-à-dire que, vous voyez, il faut une baisse locale de l'expression de ce gène dans cette région-là. Donc ça, c'est assez amusant parce que ça veut dire qu'une modification transitoire de l'expression de ce gène
dans l'aire tegmentaire ventrale augmente la sensibilité au stress chez l'adulte. Donc ça marque de façon définitive la structure psychologique de mon sourisseau. D'accord. Mais juste si je le fais entre 10 et 20 jours, ni avant ni après. D'accord. Donc si vous les séparez, c'est tôt. Voilà. Une souris est pubère. 20 jours, c'est post-weaning, c'est la fin de l'allaitement. Une souris est pubère autour du 40e jour après la naissance. Alors, ouais, ça a des conséquences sur le plan thérapeutique, mais je vais pas vous en parler. Ce que je vais vous dire maintenant, et on arrive près du bout, c'est qu'au fond, ce que je vous ai montré pour la vision, ce que je ne vous ai pas montré pour l'audition, mais que j'ai aussi démontré, est peut-être aussi valable pour un certain nombre d'hormones, hormones sexuelles, hormones de stress, hein, et que ça entraîne une maturation, ce qui vient de ces différentes entrées, entraîne une maturation corticale. En fait, une maturation des interneurones qui capturent OTX2. Schlack. Et dans les aires visuelles, c'est clair. Si j'ouvre l'œil, c'est les aires visuelles. Si j'ouvre l'oreille, si j'ose dire, c'est un des organes qu'on ne peut pas ouvrir et fermer, et souvent on le regrette, mais bon, ça, on n'y peut rien. Maintenant, il y a des casques, donc... c'est pareil, mais vous voyez ici que là, on a affaire à des régions beaucoup plus compliquées, cortex préfrontal, cortex singulaire, noyau de l'amygdale, des régions qui gèrent les états émotifs, les états affectifs, les états cognitifs de l'individu. Et ce que je suis en train de vous dire, l'air de rien, c'est que peut-être que les mécanismes qui ont été découverts pour réguler la plasticité dans les aires visuelles auditives, par exemple, guérir l'amblyopie, sont les mêmes mécanismes qui sont impliqués dans la maturation des régions qui gèrent des fonctions, qui sont des fonctions quand même drôlement importantes pour la vie d'un individu. Et si ça, c'est vrai, ça veut dire que si on peut guérir l'amblyopie en jouant sur OTX2 à ce niveau-là, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas rouvrir des périodes de plasticité pour des régions corticales plus compliquées et avoir des façons de manipuler les états affectifs et les états cognitifs chez l'adulte et chez l'adulte humain, bien entendu. Alors, si nous pouvons penser, au fond, que ce sont les mêmes mécanismes qui jouent, eh bien, ça a à voir avec ce que je vous ai dit au départ. Ça a à voir avec le fait que, fondamentalement, la structure d'un cortex, elle est partout pareille. Elle est pareille dans les régions frontales. Elle est pareille dans les régions pariétales, elle est pareille dans les régions temporales et occipitales. Et donc, fondamentalement, il n'y a pas de différence entre les cortex sensoriels et les cortex qui sont, ou même les régions sous-corticales, qui sont censées gérer des fonctions plus complexes que les fonctions sensorielles directes. Et c'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, au fond, on peut bouger les bords. Et si je bouge un bord entre une région qui n'est pas une région sensorielle, qui est une région sensorielle, et une région qui est une région cognitive, il faut évidemment que je puisse avoir le même mode de régulation dans les deux régions. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est extraordinairement intéressant. Je reviens sur ces mêmes diapositives. C'est qu'au fond, il y a une sorte d'uniformité dans la taille, dans la structure d'un cortex qui permet de penser que des fonctions très élaborées fonctionnent ou maturent ou se mettent en place sur un mode qui est très très proche de fonctions beaucoup moins élaborées comme effectivement des systèmes sensoriels primaires. Alors évidemment, ça nous amène au fait que nous avons, nous, justement parce qu'on peut bouger les bords, parce que non seulement on augmente la taille du cerveau, on a 900 centimètres cubes de trop, mais beaucoup plus que ça dans les régions cognitives. Ça veut dire qu'évidemment, nous sommes des animaux et cette maturation extrêmement lente pour laquelle nous pouvons apprendre énormément de choses. L'espèce humaine redémarre toujours de là où la génération précédente l'a laissé, hein, grâce aux artefacts écrits, grâce à la culture. Ce n'est pas le vrai chez un animal. Hein. Par exemple, si vous prenez un chimpanzé, je n'ai rien contre les chimpanzés, donc c'est pour vous que je dis ça, parce que je sais que vous êtes très sensible à cette question, mais je n'ai rien contre les chimpanzés, ils ont inventé la bradille à termites. C'est une très belle invention. Ça permet d'aller chercher des termites
Pas tous les chimpanzés, c'est une culture. Parce que si tous les chimpanzés l'avaient appris, ce serait peut-être génétique. Mais il y a des chimpanzés de certaines régions qui font des brindilles à termites et pas d'autres. On dit, ah, bah, c'est une culture, hein, ça c'est normal. Mais au lieu de la garder dans le tiroir, ils la foutent à la poubelle après avoir pris les termites. À chaque fois, il faut qu'ils en refassent une autre. C'est quand même pas très malin. Et par ailleurs, ça n'a pas énormément évolué depuis qu'ils l'ont inventé, la brindille à termites. Sapiens, lui, chaque génération, d'abord, il garde les outils, hein, ça c'est clair, et en plus, à chaque génération, il passe à la suivante, voilà où on en est. À toi, petit gars, d'aller un tout petit peu plus loin. Et alors, ça amène à des choses quand même un petit peu supérieures à la brindille à termite. Bon, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques, je cache pas que c'est pas toujours positif, hein, ça peut nous emmener dans le mur. D'ailleurs, ça va probablement nous emmener dans le mur, mais bon, c'est le tragique humain, quoi, voilà. Hein. Voilà. Et je veux juste remercier les gens qui nous ont donné de l'argent pour faire une partie du travail que je vous ai présenté. Et j'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec mes histoires. Et je suis prêt à prendre des questions. Je crois que tu as un micro. Oui. Merci. Donc, on va commencer. Question. Tu peux t'asseoir, oui, je pense. On peut s'asseoir. Alors, là-bas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se balade avec un micro? Ah, voilà. Levez bien la main parce que on est aveuglé ici. On ne voit rien du tout. Ici en haut. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une question par rapport aux zones critiques où on peut justement développer ces... Vous êtes où là? Je suis là. Ah bonjour. D'accord, oui, bonjour. Et ma question, ça serait pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les rouvrir plus tard? Pourquoi est-ce qu'on a forcément une zone de développement accrue à un certain moment et pas plus tard dans notre développement, étant donné qu'on vit beaucoup plus longtemps? Bah, je vais vous dire, on peut les rouvrir plus tard, je vous ai montré, mais ce n'est pas bon. C'est bon si c'est à visée thérapeutique. Mais c'est pas bon d'être plastique. Hein, d'abord, pendant les périodes de plasticité, le génome est instable. Ça, j'ai pas pu vous le montrer, mais ça crée des instabilités génétiques, la plasticité. Et l'autre chose, c'est que il faut quand même se souvenir des choses. Hein, l'état normal de l'animal, c'est un état plastique. Vous avez vu? Il faut réprimer en permanence la plasticité pour fermer l'état plastique. Si vous étiez plastique tout le temps, vous auriez un cerveau de salamandre, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous n'auriez pas de mémoire à long terme de ce que vous êtes ou de qui vous êtes, et donc, ou de ce que vous avez fait. Donc la plasticité n'est pas une chose... Elle est souhaitable pour apprendre, mais il y a un moment, il faut qu'elle s'arrête, sinon on désapprend en même temps qu'on apprend. Donc... Et c'est une des questions qu'on peut se poser, parce que vous avez bien vu que je vous ai suggéré qu'en rouvrant la plasticité dans des régions corticales intéressantes, on pourrait éventuellement apporter un soulagement à des individus souffrant de maladies, disons, psychiatriques, entre guillemets. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut le faire? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut le faire dans un endroit précis, pour une période de temps limitée? Parce que sinon, évidemment... ça peut créer des problèmes majeurs. Alors, cette perte de plasticité, elle n'est pas dans toutes les espèces. Hein. C'est un prix à payer pour avoir des contacts synaptiques stables et avoir une mémoire à long terme. Le prix à payer, c'est que si vous faites une lésion cérébrale, ben, ça ne repousse pas. Hein. Alors que si vous faites une lésion cérébrale chez une salamandre, ou chez un poulet, ou chez un poisson, ça repousse parfaitement. Mais peut-être que le poisson ne sait pas qui il est. Je ne voudrais pas dire du mal des poissons. Je sais qu'il y a des... Ni des poulets, d'ailleurs. Ni même des salamandres. Voilà. Donc pour rebondir sur cette question, justement, tu as quand même abordé que par... Je vous ai dit, je ne vais pas vous en parler, tu as sauté une diapositive.
Donc, dans quel moment on pourrait, à ton avis, utiliser cette plasticité, justement, pour des pathologies cérébrales? Écoute, à quel moment? Enfin, dans quel type de pathologie cérébrale ça aurait un intérêt? Je pense que dans l'anxiété, certainement. Voilà. Par exemple, ça on l'a fait, je n'ai pas montré les trucs, mais si on prend une souris normale et on peut mesurer l'anxiété par différents tests d'anxiété, si on supprime transitoirement OTX2 dans le plexus choroïde, la souris devient complètement désinhibée. Elle va prendre des risques majeurs. Donc, plus du tout anxieuse. Donc, on peut, chez l'adulte, modifier l'anxiété. Je pense que la première cible que j'aurais, si je voulais développer des médicaments, ce serait au niveau de l'anxiété. La question, c'est de taper au bon endroit. Parce que si tu rouvres toute la plasticité, partout, avec, par exemple, en tapant sur le plexus choroïde, qu'est-ce qui va se passer dans le reste du cerveau qui n'est pas impliqué? Donc, il faudrait pouvoir ouvrir juste dans les régions qui sont liées au traitement de l'anxiété. Et déjà, il faudrait les connaître. Parce que tous ces systèmes sont incroyablement en interaction, comme vous avez pu le comprendre. Donc si vous touchez un point, vous en touchez plusieurs en même temps. C'est pour ça que ce sont des problèmes qui sont horriblement compliqués. Mais bon, ce serait dommage de guérir l'amblyopie et d'apprendre et de perdre le français. Voilà. Ou une autre langue. Hein. Je ne sais pas ce que ça fait à la souris, d'ailleurs, quand on lui guérit son amblyopie, qu'est-ce qu'elle perd? Elle ne peut pas nous le dire. C'est dommage. Merci pour votre exposé. J'aimerais vous poser une question naïve. La distinction du singe et de l'animal est apparue à un certain moment, mais l'homme a évolué et le singe ne semble pas avoir trop évolué. Et ces évolutions-là, est-ce qu'elles ne viennent pas uniquement le fait que l'homme a pris conscience de son existence, de son histoire, est capable de cumuler ses expériences pour faire autrement. Et le fait aussi que l'homme soit passé, l'humanité, toujours vers l'ouest, une certaine immigration, est-ce que ça a été un apport pour son intelligence? Alors ça, c'est une question, il y a 15 questions là-dedans. Je pense que les chimpanzés... Toutes les espèces continuent d'évoluer. Par exemple, si vous comparez un génome de bonobo à un génome de chimpanzé, il y a 0,5% de différence sur le même critère de mutation ponctuelle qui fait qu'on a 1,23% de différence avec les bonobos et les chimpanzés. Donc, même après la séparation, il y a environ 1 million d'années, je crois, entre les chimpanzés et les bonobos, je peux me tromper, mais je crois que c'est environ 1 million d'années, pendant cette période-là, le génome de ces deux espèces a continué d'évoluer. Donc c'est possible que ces animaux aient continué à évoluer et que nous-mêmes, on ait continué à évoluer génétiquement en réponse à des grandes maladies, des grandes infections virales, des choses comme ça. C'est-à-dire que ça n'a pas été une promenade de santé, hein, l'évolution humaine. Il y a eu des goulots d'étranglement, on a failli disparaître. C'est-à-dire qu'on était peut-être 10 000 en Afrique il y a 300 000 ans, ça s'est agrandi, et puis l'immigration, comme vous dites, pas mal de migrations, hein, en particulier il y a 60 000 ans, il y a 40 000 ans, et puis il y a eu des goulots d'étranglement, puis c'est reparti. Donc non, maintenant on est 7 milliards, donc on est un peu tranquille. Enfin, attendez le réchauffement climatique, mais on est relativement tranquille. C'est vrai que l'évolution des humains est essentiellement une évolution culturelle. Hein, c'est ce que je voulais signaler à la fin, en comparant à la Brédine Intermite à Sainte-Thérèse, mais aussi à la bombe atomique. L'évolution humaine est pour l'essentiel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution génétique. On voit encore des gènes qui mutent, une adaptation génétique chez Sapiens. Mais pour l'essentiel, c'est vrai que notre pouvoir d'adaptation, il est au niveau technique. Pour des raisons d'ailleurs relativement simples, c'est qu'on met du temps pour faire un humain. C'est-à-dire que si vous êtes une bactérie que vous en faites 100 en une heure, la sélection génétique, ça marche. Mais si vous êtes un humain et que vous en faites un en 40 ans, ou deux, la sélection génétique, ça va être plus compliqué. Hein. Et donc, l'adaptation, elle est plutôt épigénétique au double sens, au sens culturel, hein, pas au sens épigénétique de modification de l'ADN, mais au sens culturel. Ça, c'est clair, je suis d'accord avec vous.
Nous sommes des animaux culturels, c'est-à-dire que nous n'avons survécu. Il faut quand même se voir la situation il y a 300 000 ans. Les 10 000 sapiens dans la brousse, c'est pas fort un sapiens. Hein. Si vous regardez un sapiens, franchement, c'est pathétique. Ça n'a pas de dents, ça n'a pas de griffes, c'est tout tendre, c'est appétissant, surtout quand c'est petit. Le premier tigre qui passe. Comment est-ce qu'on a survécu ? On a survécu parce qu'on a fait des armes, parce qu'on a inventé le feu, parce qu'on a fait des grottes, parce que... Donc la survie, nous sommes des animaux techniques, notre survie elle est essentiellement liée à ce qu'il y a là-haut. Et s'il y a survie dans les 100 000 ou 2 000 ans qui viennent, en dépit des bêtises que nous-mêmes faisons d'ailleurs, il faut le reconnaître, ce sera quand même ici qu'on aura... travailler aux conditions de la survie un peu prolongée de sapiens. Pas pour toujours, mais bon, ça c'est autre chose. Monsieur ? Est-ce qu'on peut... Allez-y. Oui, nos capacités de calcul augmentent incessamment, deviennent même parfois monstrueuses, et tant mieux. Mais avec les évolutions dans la médecine et la biologie, est-ce qu'on peut un jour imaginer qu'un singe peut être rendu humain, enfin si les singes survivent ? C'est-à-dire que ce serait une manip magnifique. Je ne suis pas sûr que les comités d'éthique nous autorisent à transformer un humain en singe, en chimpanzé, ou un chimpanzé en humain, selon le souhait de l'un et pas de l'autre. En droit, on peut imaginer une manip comme ça, une manip par la pensée. Si vous avez toutes les différences génétiques entre les deux espèces, on peut imaginer, ça sera long, il faut quand même remonter 7 millions d'évolutions dans un sens et les redescendre dans l'autre. Ça fait quand même 14 millions d'évolutions. Donc, mais en droit, je pense que c'est infaisable, mais uniquement en fait. Mais en droit, oui, je ne vois pas pourquoi ce serait... pas pensable en tout cas. C'est une belle manip par la pensée, oui. Moi, j'ai souvent caressé cette manip par la pensée, c'est vrai. Oui, mais l'homme est imaginatif, heureusement. Une autre question ici. Est-ce qu'on peut faire le lien entre l'apparition du langage et la plasticité d'Homo sapiens ? Et est-ce qu'on peut... comprendre l'apparition du langage. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça, en particulier quelqu'un qui s'appelle Zante Pabo, qui vient d'avoir le Japan Prize, en fait, qui travaille à Leipzig, et qui a travaillé énormément sur la génétique et aussi ce qu'on appelle l'épigénétique de capacité linguistique. Donc, le langage, c'est d'abord, si vous voulez, une augmentation de la taille du cerveau et l'apparition de structures. Les aires du langage qui sont les aires de Wernicke, les aires de Broca, qui sont. Donc, il y a une composante. Alors, le langage, c'est pas passe-moi le beurre, je te donnerai le pain, d'accord ? Quand vous parlez de langage, vous voulez dire de langage conceptuel, de pensée, en fait, de pensée consciente et autour du langage. Donc, évidemment, l'augmentation du cortex et de régions particulièrement importantes cognitives du cortex participe à la capacité linguistique unique de sapiens. Il y a aussi, alors c'est quelque chose qui a été remis en cause récemment, donc il faut faire attention, il y a aussi des capacités motrices. Je parle du langage parlé, c'est-à-dire que parler est quelque chose d'extraordinairement difficile. C'est-à-dire que ça implique une précision des mouvements de la bouche et des lèvres qui n'est permise que par des modifications des systèmes moteurs. En même temps que, et c'est ça qui a été remis en cause récemment, un abaissement du larynx. J'avais pas mal de diapos là-dessus, mais je n'ai pas voulu vous embêter avec ça. Donc il y a à la fois un côté cognitif, bien entendu, il y a aussi un côté moteur, et on pense que cette modification motrice est liée à des mutations qui sont apparues avant la séparation de sapiens et de Néandertal. D'un gène qui s'appelle FOXP2.
Il y a pas que des mutations dans l'exon 7 de FOXP2 qui sont uniques à Sapiens et qui pourraient expliquer cette capacité motrice extraordinairement importante. Donc il faut avoir distingué le côté intellectuel, le côté cognitif, le côté idéation, et puis le côté capacité verbale. Après tout, on peut aussi avoir un langage des signes. Hein. On peut parler avec autre chose que la bouche, d'une certaine façon. Donc, oui, moi, je vois ça plutôt comme une modification corticale, hein, la capacité de une théorie de l'esprit, d'attribuer des intentions à un autre. Mais bon, je vous engage à lire les travaux de Svante Paabo, qui sont tout à fait extraordinaires, si vous êtes vraiment intéressé par cette question. Bonjour, juste ici. Merci pour la présentation. J'ai une question qui porte sur le syndrome du savant acquis. Du savant, mais acquis, c'est-à-dire particulièrement pour les personnes qui ont développé le syndrome du savant après une lésion traumatique et qui n'ont pas d'autres perturbations particulières que les capacités exceptionnelles qu'elles ont développées. Est-ce que je me fais comprendre ou pas du tout ? Je ne suis pas du tout expert là-dedans, donc moi, je m'inquiète un peu parce que... est-ce que je suis Sandrine, tu es un savante acquis ? Où est ton traumatisme ? Non, j'entends par là que certaines personnes, après un traumatisme, donc un choc ou autre, se réveillent avec la capacité de développer une excellence dans un domaine, un peu comme l'autisme, en ayant perturbé en aucunement le reste de leur capacité. Je ne savais pas. Je ne savais pas, je suis désolé. Excusez mon ignorance, mais vous m'enverrez les références, parce que je trouve ça super intéressant. Okay. Ça vous console d'avoir un accident, mais bon, faut avoir de la chance. J'avais une autre question, mais je ne sais pas si on m'autorise à la poser. Oui. Oui. Elle est beaucoup plus philosophique, elle porte sur la conscience. Et je ne sais pas si c'est parce que je l'avais écrite en avance, mais j'ai trouvé que vous avez fait quelques ouvertures dessus, du coup je me permets de la poser. J'entends conscience par le libre arbitre, donc ce qui est posé par les travaux de Douglas Hofstadter ou Chalmers à travers Gödel, Schwarzbach ou ce genre de choses. Auriez-vous un raisonnement ou une réflexion à nous transmettre sur la conscience ? On ne sait pas très bien... comment la conscience, ce que ça veut dire, de cette façon. C'est-à-dire que si vous avez vu les boucles que j'ai montré, les traitements corticaux, où une information au niveau cortical va se transformer en information sensorielle du cortex au cortex. Une des diapositives, je faisais passer la colonne A à la colonne B. Et ça passe, à chaque fois, ça repasse évidemment par le thalamus. Donc il y a des boucles, Jerry Edelman en particulier, avait mis en place une théorie de la conscience qui était fondée sur ces boucles thalamo-corticales. C'est-à-dire que c'est l'intérieur lui-même qui est système sensoriel pour l'intérieur. Hein? Alors, associé au langage, justement, ça peut être quelque chose qui a à voir avec l'émergence de la conscience. Tous les animaux ont une conscience, parce que rien n'existe chez Sapiens qui, d'une certaine façon, n'existe pas chez les autres. C'est une question de niveau. Hein. Donc, c'est possible que chez Sapiens, évidemment, ce soit beaucoup plus fort, à cause, toujours de la même chose, de la taille du cortex, à cause aussi du nombre, c'est pas tellement aussi la taille du cortex, c'est aussi le nombre de fibres nerveuses, le nombre de synapses qui augmente considérablement. Donc, les capacités de calcul d'un cerveau humain sont très supérieures à celles d'un cerveau non humain, y compris de primates non humains. Et je pense que ces histoires de conscience, c'est presque une nécessité évolutive. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, qui est une des choses qui m'amuse le plus dans la biologie, c'est que nous changeons tout le temps. Même si nous ne sommes pas extraordinairement plastiques à l'âge adulte, nous restons quand même plastiques très très longtemps. La preuve, c'est qu'on peut continuer à apprendre. Hein. Sinon, vous ne seriez pas venu ici. Sinon, moi, je n'irais pas au laboratoire tous les jours. Donc, ça veut dire que le cortex se modifie. Hein. Et, on change notre poids en cellules tous les ans. Hein. C'est-à-dire qu'on renouvelle quasiment toutes les cellules. Les synapses se modifient, le poids synaptique se modifie, il y a des neurones qui meurent, etc.
Donc, d'une certaine façon, un animal évolue en permanence. Et la question de la conscience, c'est la question aussi de savoir, dans ces conditions, qu'est-ce que ça veut dire qu'être soi, hein. C'est vertigineux, hein, comme question, d'une certaine façon. Et être soi, je pense, c'est capable justement de se raconter sa propre histoire, même si on peut la fantasmer parfois. Et donc, d'une certaine façon, je pense que le fait de pouvoir dire qu'on est soi, Sandrine Imbert, par exemple, c'est quelque chose qui a à voir avec une évolution de la conscience particulièrement forte chez Sapiens. Hein? Parce qu'en fait, on n'est jamais... Je dis souvent, on ne se baigne jamais deux fois dans la même personne. Oui. Oui, bonsoir. Je vais poser une question un peu moins vertigineuse. On identifie assez vite les liens, les résonances entre les travaux que vous avez présentés et puis des questions qui touchent à l'éducation, à la pédagogie. En particulier, je pense au débat de société sur l'âge de scolarisation des enfants, la meilleure façon d'apprendre à manipuler des chiffres, des nombres. Donc comment vous pourriez nous éclairer un petit peu à la lumière de vos travaux sur ces questions? Alors, les travaux de beaucoup de gens. Hein. Je vous ai mis en copie un article de Mme Bavelier, en particulier, qui est une revue dans le Journal of Neuroscience qui est sorti il y a quelques années et qui traite spécifiquement cette question. C'est une question fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a des périodes pendant lesquelles le cerveau apprend mieux, et c'est les périodes pendant lesquelles il faut faire un effort scolaire d'éducation sur les enfants. Un enfant qui ne sera pas scolarisé pendant ces périodes, il apprendra d'autres choses, bien entendu, mais il n'apprendra pas les fondamentaux mathématiques, de langue, d'art, de ce que vous voulez, de ce qu'on peut apprendre à un enfant. Donc oui, ça c'est évident qu'il y a des périodes critiques qu'il ne faut pas laisser passer pour ce qui est de l'éducation, et en particulier entre alors au début il y a le milieu familial, hein, c'est déjà une contrainte dure parce qu'il y a des mômes qui naissent dans des milieux qui sont un peu compliqués, hein, par exemple les mômes qui naissent en Syrie aujourd'hui, ça ne doit pas être formidable sur le plan cognitif, ça doit laisser des traces. Donc oui, c'est vrai, il y a une responsabilité vis-à-vis des enfants depuis la naissance jusqu'au moment où, je dirais, une quinzaine d'années où l'essentiel peut être acquis. Même si on acquiert encore après, le cerveau humain est terminé en gros entre 20 et 30 ans. C'est-à-dire qu'à la fin de la myélinisation, c'est entre 20 et 30 ans. Je me trompe, Sandrine, nous ne sommes pas dans ce genre-là. Donc c'est un développement très très lent. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes critiques, entre 0 et 15 ans, il faut faire hyper gaffe. Oui. Une autre question, juste ici, devant. Hop. Non, pardon. Oui, bonsoir. On sait que les compétences des femmes sont meilleures pour certaines tâches que celles des hommes, par exemple dans le langage. Les jeunes filles sont bien meilleures que les garçons. Et est-ce qu'on a des données moléculaires et pouvons expliquer ces différences de compétences entre les sexes? Ça, alors, encore un truc que j'ignorais. J'ai bien fait de venir. Mais bon, je serais assez content d'avoir les références là-dessus. Je me fie toujours de ce genre de... c'est peut-être vrai, hein, mais parce que ça marche dans les deux sens et j'aime pas beaucoup, mais c'est de l'idéologie chez moi. Non, j'aimerais avoir les données et regarder vraiment. Peut-être que je suis passé à côté. Voilà. Oui, j'avais une question concernant l'une des expériences que vous nous avez présentées. Dans l'une des expériences que du coup, vous nous avez présentées, on a pu voir le cerveau de deux souris dont vous avez inhibé respectivement deux gènes ayant des gradients inversés d'expression. Ouais. Est-ce qu'on pourrait s'attendre, on pourrait s'attendre à ce que ces souris présentent des altérations de perception proportionnelles aux modifications du volume de chaque aire? Est-ce bien le cas? Oui, on peut s'y attendre. Si on laisse la souris jusqu'à l'âge adulte, elle aura des modifications. Et d'ailleurs, il y a une manip qui a été faite avec une autre mutation de ce genre,
avec deux autres homéoprotéines qu'on appelle GBX2 et OTX2, qui déterminent la frontière entre le cerveau moyen et le cerveau postérieur. Et si vous bougez cette frontière, vous allez... Alors, au niveau des frontières entre régions, il y a ce qu'on appelle des niches neurogéniques. Ce sont des niches qui permettent très souvent la neurogénèse. Et à cette frontière midbrain, cerveau moyen, cerveau postérieur, il y a une niche qui permet de faire des neurones dopaminergiques. Niche dopaminergique. Si vous augmentez la niche dopaminergique en augmentant OTX2 et en repoussant GBX2 vers la fin, donc vous déplacez la frontière de façon postérieure, vous prenez des souris, vous prenez ces souris, vous les laissez, elles vont à l'âge adulte. Hein. Normalement, vous mettez une souris dans un, on appelle un open field, un champ comme ça ouvert. La souris pendant 5 minutes, et puis au bout de 5 minutes, elle va se mettre dans un coin et dormir. Surtout si c'est la journée, parce que les souris sont des animaux nocturnes. Eh bien, si vous prenez une souris dans laquelle vous avez déplacé le bord, elle ne s'arrêtera jamais de bouger. Vous la mettez dans l'open field, elle ne trouve pas le repos. Et ça, c'est une modification, probablement, des systèmes dopaminergiques que vous avez induits en modifiant votre bord. Donc oui, ces changements que vous induisez au cours du développement en déplaçant les bords et en modifiant les tailles respectives des différents compartiments dans un cerveau, s'ils sont compatibles avec une survie chez l'adulte, si c'est mort, si c'est létal, bon, c'est létal, hein, mais s'ils sont compatibles avec une survie chez l'adulte, eh bien, ça va modifier le comportement de la souris chez l'adulte, oui. Mais chez les... Vous savez, le développement, c'est quelque chose de très compliqué. Imaginez que vous partez d'un œuf, c'est une cellule, hein. Au bout du compte, vous êtes multimilliardaire en cellules. Il s'est passé un tas de trucs, des migrations, des morts, des différenciations. Et au bout du compte, vous êtes là. Miracle. Hein, non, mais c'est vrai. Je veux dire, la plus belle manip, c'est de dire qu'il y a un œuf de poulet, il sort un poulet, parce que c'est quasiment improbable, si on y pense. Mais si vous regardez entre les individus, il est possible que même génétiquement identiques, il y ait des variations dans la position des bords. Et donc, il y a probablement une gaussienne qui est compatible avec une vie tout à fait normale. Mais c'est possible aussi qu'à la suite de choses qui sont passées au cours du développement, à génome égal, avec tous ces événements cellulaires qui, différenciations, etc., qui sont inhérents au développement d'un individu, ben, évidemment, vous allez être un petit peu différent de votre jumeau, et c'est possible que vous aurez un bord un petit peu différent, et c'est possible que vous ayez un comportement un petit peu différent si certains bords ont bougé. Mais tout ça rentre dans la norme. Alors, si évidemment ça part à l'ouest, ça peut être catastrophique. Voilà. Une question vers le haut de la salle. Ici. Une question d'où ? En haut de la salle, juste ici. Ah, je vois, oui. Ça fait mal aux yeux, hein, ce truc. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question sur le point des maladies psychiatriques. Vous avez souligné que le fait qu'il y avait des maladies qui sont dues à des blocages de développement. Et bon, moi, je ne suis pas scientifique. Hein, je partage avec plaisir avec vous cet instant. J'arrive pas à comprendre. Vous avez parlé d'une période critique et la période d'apprentissage et d'élasticité et le lien avec cette dégradation et les maladies psychiatriques. Donc, c'est pas une dégradation. Alors, d'abord, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait une hypothèse. Hein? Je n'ai pas dit que c'était ça. J'ai dit qu'il y avait une hypothèse qui était actuellement développée et débattue par les psychiatres, qui est que au cours du développement d'une jeune personne, au moment où on passe d'une sexualité infantile à une sexualité adulte sous l'effet des hormones, le cerveau doit s'adapter à cette modification du milieu, c'est-à-dire qu'on a une vision du monde qui est très différente de celle qu'on avait avant, pour des raisons justement de développement de cette sexualité adulte. Et que ça implique évidemment une modification de certaines régions du système nerveux qui sont impliquées dans la gestion de ces comportements. Et que c'est une période critique. Alors, est-ce que c'est une période critique comme celle du système visuel ?
un certain nombre de psychiatres aujourd'hui le pensent, reste à le démontrer. Moi, je suis assez convaincu qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais encore faut-il... ce n'est pas une dégénérescence, si vous voulez dire. C'est plutôt un... Il y a des maladies neurodégénératives. Ma collègue Sandrine travaille sur la maladie de Huntington, par exemple. Mais l'autisme, ou les autismes, ou les schizophrénies, je dis les parce que les origines peuvent être extraordinairement différentes sur le plan d'étiologie, ne sont pas des maladies de dégénérescence, sont des maladies qui se produisent très tôt au cours du développement, ou en tout cas dans le développement postnatal. Elles peuvent être liées. Donc c'est vraiment, on peut le voir comme une modification des capacités d'adaptation du système au moment où il y a un changement, en tout cas pour les schizophrénies, au moment où le monde change. C'est quand même des syndromes qui apparaissent au cours de la période prépubertaire, postpubertaire. Je le répète, c'est une hypothèse que font certains psychiatres, à laquelle personnellement je suis enclin à croire, oui. Juste peut-être oui. Ajouter là-dessus, c'est que, enfin, pareil, ce n'est pas des travaux, il faut prendre mes mots avec précaution, mais on sait que dans cette période critique, pour des personnes ou des familles où il y a des gènes de susceptibilité à la schizophrénie, si on va prendre beaucoup de cannabis, on va déclencher, spécifiquement dans cette période critique-là, on va déclencher des schizophrénies. Donc ça court, enfin, ce serait dans le même genre d'idée. C'est sûr. Il ne faut pas fumer pendant la période critique. Pendant la période critique, non, mais on va déclencher des schizophrénies qui ne partiront plus. Mais pas pendant la période critique. Donc, non, mais malheureusement, c'est là que les adolescents fument le plus. Oui. Cette plasticité-là qui est... Bon, on a encore une question ici. Ici, si vous acceptez, il nous reste deux questions. Ici, moi, j'accepte tout, je n'ai rien à faire ce soir, donc... C'est parfait, alors. Mon train demain matin à 8h30, donc on a un peu de temps. Merci pour votre intrigante présentation. Je vais profiter pour faire un warning philosophique. Je vais peut-être répéter ce que vous avez dit, mais je pense que tout le monde a bien compris que, oui, certes, on n'est pas des singes, on n'est pas des chimpanzés. On est des singes. On est différents, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est une espèce différente, mais dans le fond... il n'y a pas une hiérarchie parce que justement c'est notre contexte qui nous a, on va dire de manière épigénétique, on va dire dans ce sens-là, qui nous a fait évoluer et faire ce qu'on nous sommes là maintenant. Et du coup, voilà, c'est un thème, je pense, qui est très sensible et il faut faire attention à ne pas tomber dans ce genre d'interprétation, je pense. Et après, sinon, concernant la technique que vous proposez, si on arrive à appliquer cette technique, rendre plus plastique, on va dire, des fonctions supérieures, plus complexes, vu que ces zones-là fonctionnent plus comme un réseau, est-ce que ça ne serait pas retourner à une vision localiste du cerveau, le fait de penser que ça va fonctionner aussi pour les fonctions du haut niveau, on va dire ? Non, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on parlait des possibilités thérapeutique ou autre. Hein. La question, c'est que d'abord, il y a des localisations cérébrales. Le cortex visuel, il est là. Hein, le cortex auditif, il est là. Le cortex frontal, il est là. Et c'est des fonctions différentes. Mais bien entendu, vous avez un nombre de connexions telles que toutes ces régions sont en interaction. Donc, quand on disait où est-ce qu'on va taper, on n'en sait pas où on va taper. Donc, il vaut mieux ne pas taper quand on ne sait pas où on veut taper. Donc, là, je vous suis totalement. C'est à la fois... des localisations cérébrales, mais en même temps, c'est en interaction. Donc, cette question de localisation, délocalisation est une question qui est quand même un tout petit peu datée du XVIIIe siècle. Je pense qu'on va la laisser de côté. Pour la question des hiérarchies, bien sûr qu'il n'y a pas de hiérarchie entre espèces. Ça n'a pas de sens. Mais il y a des différences. Et Sapiens a quand même un avantage sur les autres espèces. C'est que il est capable de faire le droit. D'accord ? Il n'y a pas de droit naturel. D'accord ? Il n'y a pas de droit théologique si on n'est pas croyant.
Il n'y a pas de droit naturel. Le seul droit naturel, c'est la loi de la jungle, d'une certaine façon. Donc nous, humains sapiens, parce que nous avons un cortex particulièrement développé, nous faisons le droit. Mais le droit n'est pas le même ici ou là. Il n'est pas le même à telle époque ou à telle autre. C'est un droit qui est contingent. Il se trouve que justement du fait de la différence énorme que nous avons avec les autres animaux, nous avons inscrit dans le droit le devoir de protéger certains animaux. Le devoir que nous nous imposons à nous-mêmes. D'accord ? Donc les animaux n'ont pas de droit naturel, mais certains sapiens, à certaines périodes historiques et dans certaines régions, s'imposent le devoir, en le marquant dans le droit, de protéger telle et telle espèce, etc. Et je pense que c'est très bien. Mais si vous allez dans l'état de nature, excusez-moi, vous éliminez tous les artefacts, d'accord ? Et vous allez dans la jungle, ce qu'il en reste. Je ne suis pas sûr que vous constaterez que les animaux qui y sont respectent les droits de l'homme. D'accord ? Donc, vous n'en reviendrez pas. Voilà. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de hiérarchie entre les animaux. Ils sont beaucoup plus adaptés que nous à leur biotope. Mais il y a quand même une certaine forme de hiérarchie intellectuelle qui fait que sapiens, c'est une responsabilité que n'ont pas les autres espèces. Et d'ailleurs, il faut qu'ils les prennent, d'une certaine façon. Quand on voit le réchauffement climatique, etc., c'est clair qu'il faut les prendre. Mais il a une responsabilité particulière que n'ont pas les autres espèces. Voilà. Donc je pense qu'on ne peut pas mettre un signe d'égalité sous prétexte qu'il n'y a pas de hiérarchie biologique. Voilà. Alors, il y avait une dernière question par ici. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, ma question, c'est la mémoire. Où est stockée l'information dans le cerveau ? Voilà, tout simple. Ça, c'est une bonne question. Mais écoutez, je pense qu'on pourra la traiter plus tard parce que ouais, je ne sais pas. Ben voilà, c'est-à-dire, voilà. On sait très bien sur les... Elle est là. Au niveau de... Mais on a quelqu'un d'INRIA ici qui pourrait peut-être un jour nous aider. Je n'ai pas tout à fait fini. Voilà. Bon, par rapport à la... On est quand même dans un développement de l'informatique. Je me demande s'il ne va pas y avoir un homo informaticus qui va arriver. Mais ce que je veux dire par là, il y a quand même, au niveau de la structure des ordinateurs, tout ça, depuis longue date, on sait comment ça fonctionne. Mais par rapport à la pensée, sur un truc très simple comme la mémoire, je ne veux pas prendre quelque chose de plus compliqué, mais je me pose la question, est-ce qu'on a plus de connaissances dans ce domaine-là ? Bon, on a un petit peu quand même, mais ce sera un long débat. Mais ce qui est intéressant, c'est la comparaison que vous faites avec les machines à apprendre, ce qu'on appelle le machine learning. Même les gens qui font des machines à apprendre, les gens qui font, je parle sous le contrôle de notre collègue d'INRIA, ils font voir 50 000 chiens à une machine, d'accord ? Et à la fin d'avoir vu 50 000 chiens, la machine est capable de dire, elle voit n'importe quel chien, elle dit c'est un chien, d'accord ? Mais entre l'entrée et la sortie, il se passe un certain nombre d'opérations dans la machine que les informaticiens ne comprennent pas encore. Ils ne savent pas comment ça marche. C'est totalement empirique. Hein. Donc, il y a des mathématiciens, et il y en a un au Collège de France qui s'appelle Stéphane Mallat, par exemple, qui essaye de comprendre comment les machines apprennent et comment elles apprennent que ça a une forme de chien et pas autre chose. Mais ce n'est pas du tout clair, même pour les gens qui font de l'informatique, à ce niveau-là, en tout cas. Hein. Alors, pour le cerveau, il suffit de voir un chien une fois et on sait que c'est un chien. Quand même plus, c'est meilleur. Ça prend moins de temps et ça coûte beaucoup moins cher parce que, en plus, ces machines, ça consomme une énergie absolument ahurissante. C'est-à-dire que c'est pas du tout un bilan carbone absolument catastrophique. Vous voyez que je suis conscient quand même des difficultés de la nature. Mais oui, c'est une excellente question. Comment le cerveau, cette machine incroyablement puissante, est capable de mémoriser toutes ces choses? Et ça, c'est d'apprendre, même d'apprendre, c'est quelque chose de... Je ne peux pas vous répondre, moi. On le saura un jour. Mais même les gens qui ont des machines ne savent pas comment leurs machines apprennent. Ah, bien sûr, oui.
Et puis le singe qui a de prendre une brindille, il allait chercher une termite. C'est quand même. Non, mais j'ai fait un petit peu d'ironie à la fin, mais c'est quand même assez extraordinaire. Hein, et les corbeaux se font des tiges pour aller chercher des asticots dans des bûches. Ouais. Donc, le vivant est quand même assez intéressant. Ouais. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Merci encore, Alain. Merci à vous tous d'être venus si nombreux.